Le groupe que j'ai fondé et que je dirige s'appelle M2I. C'est une société qui fabrique à la fois des principes actifs à utilisation pharmaceutique et à la fois des produits de substitution aux insecticides. C'est une société qui a plus de 25 familles de brevets à l'heure où je vous parle. Pour faire de l'industrie en France, il faut déjà aimer ça. Et l'opportunité de pouvoir concentrer nos activités à la fois sur le domaine de la santé humaine et à la fois dans le domaine de l'agriculture s'est présentée. On l'a saisi, on s'est appuyé sur les grands atouts qu'on a dans ce pays. Et derrière, on l'a développé, parfois contre vents et marées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même pas loin de 200 personnes qui y travaillent dans 4 endroits en France. Et la Société Générale nous a accompagnés comme banque principale depuis l'origine du projet. Et après, c'est une question de rencontre. Et c'est avant tout une question de rencontre et de rapports humains. J'ai jamais considéré qu'on pouvait gérer une entreprise ou analyser une entreprise au travers d'un tableur Excel. Ou au travers de données uniquement chiffrées, c'est impossible. Il y a ce que tout le monde oublie aujourd'hui dans la terminologie qu'on va utiliser, qui est la transition agricole. Il y a un mot au début de la phrase qui est transition. Et en fait, le positionnement que l'entreprise a toujours pris, c'est le pragmatisme. Ce pragmatisme va mettre en avant la nécessité de nourrir bientôt 10 milliards de personnes sur la planète. Et c'est ça qui a été la caractéristique qui a dû driver les innovations qu'on a mises les unes après les autres sur le marché. En 2013, se dire on va soutenir une société qui fait de l'industrie dans un métier qui reste encore à l'époque une niche, je dirais l'évolution sociétale n'est pas aussi mûre qu'elle l'est aujourd'hui. C'est innovant, c'est ambitieux, c'est courageux. Je pense qu'effectivement, la crise du Covid a remis, je dirais, les relations humaines au centre du jeu et on s'est rendu compte que vous pouviez avoir tous les modèles Excel du monde. C'est pas comme ça que vous alliez comprendre comment les sociétés allaient passer ce genre de crise et quelle nécessité est remis en valeur la proximité qui était nécessaire entre le banquier, au sens noble du terme, et l'entreprise.